Good morning, Ale Yiden. Les tu seras aujourd'hui les Loinishmat Shalom Ben Chbiba, Amram Yona Ben Chana, Peggy Batister, Zor Ben Nonaltov, Shish Portish, Michel Novikov, Sidor Fouat, Ruth Bat Claudine Traina, et Simcha Bat Masoudi Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishta, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhet et Douyot, Perekalef Mishta Dalet. Velama Maskirin et Divre Shamay Vehil Levatala, Lelamed le Dorot Abaim, Shelo Yehe Adam Omed al Devarav. On a une Mishnah très courte, on a en réalité une dette de compléter l'introduction de Maserhet Eduyot. D'abord, on s'occupe de notre Mishnah. Après avoir étudié trois premières Mishnayot de Maserhet Eduyot, où finalement on a vu à chaque fois Machloket Hillel, Shamay et Chachamim qui tranchent au final comme un autre avis. D'accord, on a vu ça de trois manières, avec l'histoire de l'anida, avec l'histoire de la quantité de chala à prélever, de pâte à prélever, pour laquelle il faut prélever la chala. Après, avec la Mishnah précédente, sur la quantité d'eau puisée qui rend inapte le mikvé, qui rend pas saoul le mikvé. Finalement, la Mishnah ici soulève une question assez pertinente, que tous ceux qui étudient la Mishnah se posent la question. Finalement, pourquoi la Mishnah n'a pas été ordonnée en nous enseignant des halachot clairs, sans nous rapporter des discussions, tel avis dit, l'autre avis l'a dit, et finalement la halacha est établie comme l'autre, ou quoi. Dis-moi directement comment il faut retenir la halakha. Quel est l'intérêt d'alourdir tellement l'enseignement en nous rapportant des avis qui discutent? C'est la problématique de notre Mishnah. Velama mazkirin et divrei shamay vehillel levatala. Pour quelle raison nos Mishnayot mentionnent-elles les avis de Shamay et de Hillel levatala pour rien? Ouais, batel. Pour rien du tout, il n'y a aucun intérêt. Les lamed, les dorot, habaim. Pour enseigner aux générations à venir, Shelo yehe Adam omed al devarav, qu'une personne ne s'en tienne pas à ses paroles, seul contre tous, il est persuadé qu'il a raison, et malgré tout, tout le monde dit le contraire de lui, et on lui prouve, on lui démontre, mais lui il reste persuadé. Non, il ne faut pas que tu t'en tiennes à ce que tu dis. Et l'humilité maintenant d'accepter qu'il y a d'autres avis, et que finalement la majorité ne dit pas comme toi, spécialement dans la halakha, où il faut trancher selon la voix de la majorité, comme ce qui s'est passé justement. Pourquoi ? Sha'aré avot ha'olam, car les pères du monde, soit Hillel et Shamay, qui étaient les deux grands maîtres de la Torah, malgré tout, lo amdu al divrehem, eux ne s'en sont pas tenus à leurs propos. Soit, une fois que la halakha a été tranchée, c'est un peu discuté de quelle manière le dire, il y en a qui expliquent qu'en réalité, une fois que la halakha a été tranchée, même les disciples de Hillel et Shamay n'ont pas retenu ce qu'ils étaient persuadés d'avoir entendu de leur rave. Soit, il y avait justement, comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes, un bedin qui s'est installé pour recevoir, récolter des témoignages sur toutes sortes de sujets de halakha. Une fois qu'on a reçu des edim et qu'on les a, on a posé toutes les questions à poser pour vérifier que ce qu'ils disaient était vrai, juste. Une fois que Chachamim ont attesté et ont donné raison à leurs propos, alors c'est tout, la halakha était fixée comme eux. Et même s'il y avait là-bas dans l'assemblée d'autres talmidim, de Hillel ou de Shamay, et bien finalement tout le monde s'est plié devant le témoignage, par exemple, des Gardaïm, des fameux tisseurs de la Mishnah précédente, et c'est tout. On apprend de là qu'il faut se plier. Quand c'est le moment de décider, alors maintenant on est tout un groupe ensemble, et on doit se diriger tous ensemble. Il y en a qui tendaient vers la droite, d'autres vers la gauche, la majorité a tranché vers la droite, on va tous vers la droite, on ne commence pas à faire les brebis galeuses qui veulent aller dans l'autre sens. D'accord ? Tel est le principe de la Mishnah. On n'a qu'à faire le partenariat, c'est déjà, on a une Mishnah courte, chez le Adam Omed Al-Dvarav, qu'une personne ne s'en tienne pas sur ses paroles, chez le Yesarvan La'amod Kayam, chez le Sarvan La'amod Kayam Bisvarato, qu'il ne soit pas un Sarvan. Sarvan, ça peut être un têtu, un entêté, La'amod Kayam Bisvarato, de rester malgré tout, il pense seul contre tous qu'il faut agir de cette manière. Non, il doit revenir en arrière. Avot Olam, c'est qui les maîtres les pères du monde? Hillel et Shamay, qui étaient les deux grands maîtres de la génération. C'est l'occasion pour nous d'expliquer un petit peu cette Maserhet Eduyot assez originale. On va parler de plein de sujets. Il y a eu, dans l'histoire des Tanaïm, un Rav qui était très strict, Rabban Gamliel. Il dirigeait le Am Israël, c'était le Nasi Ador. Il dirigeait le Am Israël avec une main très forte, parfois même trop forte, au point où même les Tanaïm en souffraient. Jusqu'au jour où, si on peut dire qu'ils ont fait un putsch, mais en tout cas, ils ont décidé que non, ils ne pouvaient plus laisser Rabban Gamliel les diriger. Ils l'ont fait comprendre qu'ils voulaient l'écarter. Et ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Comme la fameuse, dans la Haggadah de Pessah,
On raconte l'histoire, Anik ben Shivim Shana, que Rabbi Elazar ben Azaria, en une nuit, il avait 18 ans quand il a été nommé grand maître de la génération, contre Rabban Gamliel qui était un vieillard, et cette nuit-là, il a eu 18 cheveux ou 18 rangées de cheveux blancs qui lui sont poussés, c'était le signe du ciel, comme quoi on a testé le fait que Rabbi Elazar ben Azaria, il devait lui-même diriger le peuple d'Israël. D'accord ? Ça, c'était ce jour-là. Maintenant, Rabban Gamliel, comme on a dit, il dirigeait le peuple de manière très stricte, au point où il avait fixé que celui qui n'a pas son intérieur comme son extérieur et son extérieur comme son intérieur, qu'il ne mette pas les pieds au Beit HaMidrash. Pour entrer au Beit HaMidrash, étudier la Torah, il fallait être à la fois quelqu'un de très profond à l'intérieur de soi et très digne dans ses conduites. Et si toutefois il n'était pas parfaitement digne, et bien qu'il ne vienne pas étudier la Torah. Et c'était quelque part très strict parce que c'était un comité très restreint, l'étude de la Torah à l'époque de Rabban Gamliel. Et depuis le moment où Rabbi Elazar ben Azaria il a été nommé grand maître de la génération, lui, il a adopté une autre conduite, beaucoup plus cool et permissive. Le jour où il a été nommé, la Gemara raconte que Nitrabu Asaf Salim be Beit HaMidrash. On a vu, on a rajouté plein de bancs au Beit HaMidrash. Du coup, tellement qu'il y avait plein de gens qui sont mis entre Beit HaMidrash pour commencer à étudier la Torah. Enfin, d'accord. Ce qui s'est passé ce jour-là, justement, puisqu'il y a eu tellement de personnes qui sont venues étudier la Torah, du coup, ils ont commencé à réaliser que ça faisait déjà plusieurs années qu'on traînait des tas de questions et que finalement, on se retrouvait à présent au Beit HaMidrash avec plein de Talmidei Chachamim qui pouvaient nous apporter des informations. Tout le monde était invité à étudier la Torah ce jour-là, en fait. Et le Beit HaMidrash était tellement rempli que Chachamim ont dit, venez, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va instaurer un Beit Din et on va récolter des témoignages, qui sont les témoignages de Masechet Eduyot, qui a été entièrement enseignée en une journée. Elle s'appelle la Masechet Bechirta, la préférée. On va expliquer pourquoi, justement. Et donc, ils ont commencé, ils ont dit, ah, dans Masechet Chala, on avait un doute, là, quelle quantité de pâtes il faut prélever? Il y a quelqu'un qui connaît un témoignage? Tac, deux qui sont venus, qui ont dit, oui, moi j'ai reçu de mes maîtres. Donc, Khamim, qui était là, installé, vérifier le témoignage, est-ce que c'était cohérent, est-ce que c'était fondé, est-ce que c'était des juifs kshérim, est-ce que c'était sûr de leur coup? Oui, on a tranché à la route. On s'est bien parlé de la Nida, on s'est bien parlé du Mikvé, et comme tous les sujets, les vastes sujets qu'on va découvrir tout au long de la Masechet et de Yot. Donc les Ramim ont retenu, c'est d'ailleurs le principe de la Mishnah précédente qui nous racontait que c'était deux personnes très simples, des tisseurs, de Shahar Ashpot de Yerushalayim, des gens qui initialement Ils payaient pas de mine, les pauvres, quoi. Ils étaient un boulot médiocre, un mode de vie médiocre, d'une vie médiocre. Et du coup, maintenant, on les a fait entrer au Beit HaMidrash et même eux sont venus trancher une halakha aussi importante que celle de savoir combien d'eau je puisais, rendait pas sous le mikvé. C'est ce qui s'est passé donc ce jour-là. Du coup, ces Mishnayot, Chachamim les ont prises et en ont fait la Masechet Eduyot. Masechet Eduyot, pourquoi elle est entrée dans le Seder Nézikin? Elle n'a aucun rapport avec Nézikin finalement, pour le simple fait que c'est la suite logique de Sanhedrin. Et maintenant, comme on avait vu Sanhedrin, Makot et Makot Shvuot, tout ça c'est en réalité le même principe, c'est les conduites du Beit Din. Une fois qu'on a fini, on a rapporté ensuite une Masechet entière qui a été entièrement fondée sur les témoignages des gens qui sont venus témoigner devant le Beit Din. Donc c'était l'occasion, c'est pour ça qu'elle a été insérée à l'intérieur du Seder Nézikin, juste après Shvuot, qui a été la suite de Sanhedrin, Makot Shvuot, que c'est tout ça, c'est une très grande Masechet où on parlait des devoirs, des dayanim, comment est-ce qu'ils imposent et comment ils tranchent la halakhot sur un sujet, les condamnations à mort, les flagellations, et ensuite les joutes. Ça, c'était pour... cette Masechet s'appelle maintenant Masechet Bechirta, comme ce qu'on a dit. La Gemara explique toute Mishnah qu'on trouve dans cette Masechet, c'est alors la halakha sera fixée comme cette Mishnah-là, étant donné qu'elle a été passée au peigne fin dans cette fameuse journée où le Beit Din s'est installé, il y avait là-bas tous les Talmidei Chachamim et qui se sont mis à trancher toutes la halakhot. Donc du coup, on a un petit faible pour cette Mishnah particulière, que dès qu'on trouve une Mishnah de Masechet Eduyot, on tranche la halakha comme Masechet Eduyot. C'est pour ça qu'elle s'appelle Masechet Bechirta. On a presque tout dit, il me manque un tout petit détail aussi, c'est qu'en réalité, à part les témoignages récoltés qu'on va retrouver tout au long de notre Mishnah, du coup, cette Masechet s'est pris un petit peu comme but de récolter aussi toutes sortes de discussions un petit peu originales, un peu inattendues. On va se retrouver avec un Perek entier, on va voir. Normalement, on sait très bien que Beit Hillel est beaucoup plus permissif que Beit Shammai, de manière générale. Eh bien,
Parfois, on rencontre que Beth Shammai est plus permissive que Beth Hillel. Du coup, on va porter dans la Maseret, on va porter une série de plusieurs Mishnayot, on va réaliser, regarde, Beth Shammai Mekel, Beth Shammai Mekel, Beth Shammai Mekel, Beth Shammai Mekel. Ou encore là, par exemple, les trois premières Mishnayot qu'on avait vues, c'était une machloket Hillel et Shammai, elle halakha ni comme l'un ni comme l'autre, mais comme Chachamim qui ont tranché autrement. Ouais, du coup, on a regroupé dans cette Maseret tout groupe de Mishnah qui changeait, qui avait un petit peu un ordre différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans la chasse. Tout ça, c'est entré dans la Maseret Odiot pour composer cette Maseret très originale, comme ce qu'on a dit, qui va nous faire parcourir dans vraiment plein de sujets du chasse. Mais en tachem, on va tenir le choc, ça va aller. Et je vous souhaite pour le moment une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.